Eh bien, salut tout le monde, c'est Continuous. J'espère que vous allez bien, car moi je vais bien, merci. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la customisation de nouvelles voitures, donc à Paris mardi normalement. Je sais, j'ai un peu de retard. Qui est la Debussy Rapide GT classique. Donc qui coûte, pas regarder, 885 000 dollars que j'ai acheté. Et donc bah, j'attends que qu'elle vienne dans le garage. Ah ben, il m'a fait sortir, j'ai rien appuyé, c'est pas grave. Allez, descendre de cet ascenseur. Oh bah tiens, directement dans le garage, c'est cool. Normalement, elle devrait apparaître dans le garage. Donc oui, normalement, prochainement, je fais un live avec un ami et lui aussi normalement fera un live. Donc normalement, ça devrait être dans les prochains jours si tout se fait bien. Là, voilà, c'est la petite verte là-haut. Déjà, elle rend bien, esthétiquement, dehors, elle rend bien. Et d'intérieur, ça fait vraiment vieille bagnole. Donc, on va aller au LS Custom. On va équiper un peu ça. Bah déjà, d'origine, elle trace déjà pas mal. Donc, nouvelle adresse custom, blindage, on n'en met pas, les freins, paf, pare-choc avant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moteur. Hop, le capot. Oui, en effet, il faut voir. Moi, il n'y a pas grand chose, hein. Ça va être vite vu. Ça va vraiment vite vu. J'ai gardé normal. Attache capot. Non. Klaxon, éclairage et phare. Non, on va pas y mettre en xénon, on va pas mettre de néon. Motif. Ouais. Ça, je pense que je vais revenir après avoir changé la couleur. La plaque. Paf, paf. Peinture.
Un réseau de sécurité, vous me connaissez bien, hein, il n'y en a pas. Le bas de caisse. La transmission, les turbos, les roues. Moi je trouve bien. Donc les pneus, les ressorts de pneus, forcément à pare-balles. Les fenêtres, paf, en noir. Donc, les couleurs. Voilà. Couleur principale. Ok. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, c'est ça qu'ils appellent les finitions. Ben, je pense qu'on va regarder comme ça. Hein. alors, motif, c'est ça que je vais revenir. Ça rend bien. Je pense qu'on s'arrêtait là-dessus. Donc là voilà. Je viens de voir un objectif quotidien rempli. Qu'est-ce que j'avais encore? Ok. Oh. Non, ben moi je la trouve très bien comme ça. C'est. C'est impressionnant. Ben, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous dis ben, bonne fin de week-end à vous. Et puis, ça a plus, c'était Continuous. Hop, et garage 1. Salut tout le monde!